m'a fait une déclaration là pour le pays. Je ne vais pas laisser le CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va déjà être pour le pays. Il faut nous faire nous changer la constitution avant les élections. Il y a deux crises majeures dans le pays. Crise pour choisir le Premier ministre, crise électorale. Deux crises. On fait élection ou alors une crise encore. Qui ça fait la constitution? Dans le certificat 88, le peuple des alliés a créé un monstre. Il a transféré le pouvoir babalement sans contrepoids. Alors que dans le régime de séparation de pouvoir, il faut équilibrer des pouvoirs. Pas d'aucun moyen de pression. Qui ça monte sur lui? Il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Moi-même dis que pour nous sortir d'un problème, crise à chaque fois, un président élu pas choisir le premier ministre. Moi-même, c'est pour nous. Un. Il faut supprimer parce que le ministre là. Nous avons un régime présidentialiste juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral. Et pour que le président élu, une fois prêté serment, ne soit pas prêté serment devant le Parlement, non. Le président se prête serment devant la nation. Le jour même, il forme le gouvernement et l'installer le tout. Quelle que soit l'option choisie, il faut nous faire constitution d'abord avant les élections. Ma fond déclaration là pour le pays. Je ne vais pas laisser le CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça va déjà être pour le pays. Il faut nous faire nous changer la constitution avant les élections. Moi-même, je dis que pour nous sortir d'un problème, crise à chaque fois, un président élu pas qu'à choisir le premier ministre. Moi-même, c'est pour nous. Un, il faut nous supprimer le poste premier ministre. Nous avons un régime présidentialiste juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un parlement bicaméral et pour que le président élu, une fois prêté serment, ne soit pas prêté serment devant le Parlement, non. Le président se prête serment devant la nation. Le jour même, il forme le gouvernement et l'installer le tout. Quelle que soit l'option choisie, il faut le faire constitution d'abord avant les élections.